sa première finale au Parc des Princes. C'est parti. Voiron a donné le coup d'envoi pour Grenoble. Un regroupement, la balle a été saisie par les joueurs de Castres avec Tonini qui a donné en troisième ligne autour de lui. Récupération au sol, c'est une mêlée ouverte. Tonini est contré à son tour. Si la balle ne devait pas sortir, mais si elle sortira pour Grenoble. Chapardon, qui n'a pas perdu le ballon, Mandic l'a récupéré, mais Monsieur Salle est intervenu. Mêlée, introduction, Tonini pour l'équipe de Castres. Ça se joue pratiquement sur la ligne médiane. Suivant bien les mêlées, elles vont avoir une grande importance aujourd'hui, car il faut savoir qui va prendre le pas sur qui. Pour le moment, là, Castres s'est bien défendu sur cette première mêlée. Et Mazzy avait subtilisé la balle à Tonini. Même si la balle a été empoisonnée à la sortie. Cette balle se retouche tout près de la ligne des 22 mètres du Castres Olympique. Lucchio ici, sur votre écran, originaire de Charente-Maritime. Christophe Lucchio. Alors que cette remise en jeu à la touche est effectuée par Eric Ferhuit, le talonneur du FC Grenoble. Ballon gagné par Merle, Olivier Merle à deux mains. Mazille comme un neuvième avant. Cacala. Mazille extrait cette balle, mais monsieur Salle avait sifflé. Alors que Vélo. Oui, il faut dire que sur l'entame de la mêlée ouverte, les Grenoblois se sont bien liés, comme il faut le faire, c'est bien. Mais il y a un joueur qui, après coup, est venu donner un grand coup de tête dans le paquet. Et voilà, c'est la pénalité. Sifflé par Daniel Salle. Francis Ruiz pour Castres, qui trouve la touche dans le camp de Grenoble. Il est sûr que dans tous les matchs de rugby, la répartition des ballons aura une grande importance. Et on attend de savoir comment le pack de Castres va se comporter justement dans la conquête des ballons face à ces joueurs de Grenoble. Impressionnant, plus impressionnant que jamais. Le temps est lourd au Parc des Princes ce soir. Ambiance très moite, très humide. Alors que Urios, Christophe Urios, le leader du pack castré, fait cette remise en jeu à la touche. Ballon gagné par Cacala pour Grenoble. Mazille à suivre. Et la balle qui sort en touche dans le camp de Castres. Avec une relance des castrés tout de suite. Tombe à suivre. Longou, en directement en touche. À 20 cm près. L'idée y était, mais le coup de pied était un petit peu trop puissant. On revient donc pour cette touche dans le camp de Castres. Bergès reprend sa place à l'aile. L'ancien arrière de l'équipe de Mazamé. Là, on va jouer une touche tout à fait classique, c'est-à-dire que tous les avants sont dans l'alignement. Et c'est Ferhuit. Regardez, Olivier Merle est derrière lui, Mandic. Beaucoup fort, hein. Manqué Carminati, c'est pas mal non plus côté castré. Gary Wetton non plus, c'est pas mal. Eric Ferhuit fait cette remise en jeu. Oh, la belle détente de Merle. Et c'est pas le brousé. Brousé. Cacala. Il garde ce ballon. Vas-y, en chandelle. Dans les 22 mètres, ce regroupement favorable à Grenoble. Cacala qui charge. Oh, ils sont tous là, les avants de Grenoble. Mazille pour Chapardon. Plus qu'un mètre de la ligne de Castres. Mazille. On revient dans le paquet pour faire une fixation. Mazille, pris. Mais ballon n'est pas perdu. Cap de Ville maintenant. Oh, quelle défense héroïque des castrés. Bardou qui vient prêter main forte aux avants. Taoufoufouna qui essaie de passer en force. Il y a trois castrés pour l'arrêter. La balle n'est pas perdue pour Grenoble. Poiron maintenant. Oh, la partie de bras de fer annoncée a déjà commencé. Et c'est une pénalité pour Grenoble. Les castrés mis à la faute ont succombé. Eh bien, la couleur est annoncée. Vous l'avez vu, aussi bien que nous. C'est un match de défi physique qui a lieu au niveau des avants. On en met, on en ajoute,
et finalement on veut faire craquer l'adversaire. C'est la tactique de Grenoble. Va-t-elle bien marcher? Là elle a marché puisque ils ont mis à la faute l'équipe de Castres qui a été héroïque en défense, mais pas suffisamment pour ne pas se mettre à la faute et permettre ainsi à l'arrière Savy de tenter la première pénalité de la soirée. Justement par rapport à la demi-finale de Béziers, vous noterez que Grenoble a changé de buteur. Vélo, le buteur numéro 1 de l'équipe de Grenoble, avait été malheureux au cours de la demi-finale. Savy avait été tout heureux de passer la pénalité de l'égalisation à la fin du temps réglementaire. Il a été choisi comme buteur numéro 1 ce soir pour Grenoble. Et c'est un choix qui touche la balle. Poteau. Qui touche le poteau, pardon. Dégagement en touche, mais on va rester dans les 10 mètres de Castres. Un poteau pour Savy. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Ah oui, il faut dire qu'il n'avait pas eu plus de chance les buteurs contre Angers en demi-finale. Si ce n'est qu'à la dernière minute, même après, dans le temps de prolongation, des arrêts de jeu, c'est alors que Cyril Savy avait réussi ce formidable coup de pied qui a propulsé Grenoble en finale. Touche. Ferruit a fait cette remise en jeu. Carminati a détourné. Mais bougez la force. Même il y a une sanction sifflée par M. Salles, c'est un coup franc à l'avantage de Ruy qui va pouvoir dégager son camp alors que Chaffardon vient au renseignement. Ruy qui dégage et qui trouve la touche dans le camp de Grenoble. Donnant ainsi de l'air à son équipe, le capitaine Castré, qu'elle a été impressionnante. Cette équipe de Grenoble au cours de ces deux dernières minutes. Je vous rappelle qu'ici au Parc des Princes, Grenoble et Castres en finale sont à égalité. 0-0, vous avez eu Patrick Sébastien dans la tribune officielle. C'est la 7e minute de cette première mi-temps. Allez, Ferruit pour la remise en jeu en touche. Il va choisir bien évidemment Merle ou Grouzet. Vas-y, il récupère cette balle, il a sifflé. Pas droite. Exact. La touche. Introduction Tonini pour Castres. Cette mêlée dans le camp de Grenoble. Ça aussi, c'est une épreuve terrible pour les joueurs castrés qui ont une bonne mêlée, qui ne recule pas. Et c'est Carminati qui a fait son affaire de jouer la balle. Il y a Diaz maintenant qui s'empare du ballon pour Castres. Tonini. La balle pour Ruy. Lungu a essayé de passer à Bergès, mais la défense de Grenoble était resserrée. Il y a eu un en avant. Bien arbitré, monsieur Salles. Il a laissé la règle de l'avantage. Et comme les Grenoblois n'ont pas tiré avantage de l'avant des Castrés, eh bien c'est une mêlée au centre du terrain. Mandic, le numéro 8. Oui, Bosniak, naturalisé français, le numéro 8 de l'équipe de Grenoble. Ferruit attend Tapier, son pilier gauche. Mazille a fait l'introduction. Ah, la poussée est à l'avantage des Castrés. Oh, très bonne impression des avants Castrés sur cette mêlée. C'est un coup franc. Ils considèrent que les Grenoblois ont relevé la mêlée alors qu'ils étaient en train de la subir, cette mêlée, les Grenoblois. Tonini. Tonini pour Urios. Tonini à nouveau. Tonini fait en avant, récupération, Mazi s'en profite. Mazi cherche du soutien. Dans le grand champ, il avait trouvé Taoufoufeouna qui a fait un en avant, mais ça profite. Diaz récupère la balle pour Cass. Wetton maintenant. Il y avait un Grenoblois qui passait par là et qui a empêché Wetton de faire la passe. L'arbitre, il y a eu un en avant mêlée. Oui, il est revenu à l'origine de la faute, de la première faute. Et c'est à nouveau une mêlée. Alors que Mazi avait fait une belle valise. Et c'est ici la Navarre, voilà, de Taoufoufeouna. Willy, mêlée, introduction par Tonini. Dans le camp de Castres, cette mêlée. Sortie pour Castres. Allez, Ruy qui va taper par-dessus. Dans l'angle là-bas, il le fait bien. Va-t-il trouver la touche? Le rebond est favorable, oui. Et il y avait Philippe Meunier, ailier de Grenoble, qui n'a rien pu pour sauver cette balle. Et c'est une touche dans les 22 mètres grenoblois.